3500 mètres à parcourir, une épreuve qui devrait être rythmée avec Zino Almiro 13 qui vient rapidement aux avant-postes devant Ilof Bambou, Pine Club Down et l'un des spécialistes du parcours, c'est l'as Django Derry. Fou du Brésil est quant à lui côté corde. À l'extérieur se rapproche Imper et Pass devant Cape of Love et Jump and Fly. Italiana Ledin est à l'arrière avec Adexa Desobo devant également autour de minuit. Hermès Sacré ferme la marche avec Ozak Salina. Ils sont partis sur le bon pied, évidemment, sur cette courte distance. Django Derry prend l'avantage devant Ilof Bambou. Pendant que Pinnacle est troisième, Zinoa se rapproche à leur extérieur. C'est le 13 en quatrième position devant Espoir de Noël, le numéro 5, le favori de ce quintet. Imper et Pass est à son intérieur avec Jump and Fly. Pendant que galope au centre du peloton, autour de minuit, Italiana Ledin, Cape of Love, du Brésil, les uns sur les autres un petit peu. Adexa Desobo est à leur extérieur devant Ozak Salina et Hermès Sacré qui clôt la marche. Le Bullfinch, Django Derry, deux fois vainqueur sur le parcours à le meilleur. Ilof Bambou est en deuxième position, lui qui effectue sa rentrée. Zinoa est en troisième position devant le favori de ce quintet, Espoir de Noël. Pina Cloud Down vient au centre, alors que côté corde se trouve Zinoa, Italiana Ledin ou encore Adexa Desobo. À l'extérieur se rapproche Jump and Fly, avec à ses côtés Imper et Pass. Autour de minuit dans la deuxième partie du peloton devant Cape of Love, Fou du Brésil, Hermès Sacré et au dernier rang toujours Ozak Salina. Direction la rivière des tribunes, sous l'impulsion du poids fort de la course, c'est Django Derry, 72 kilos, devant Espoir de Noël et Ilof Bambou, Zinoa, Pinnacle Down, tous très groupés, Imper et Pass, Jump and Fly, premier gros morceau donc avec la rivière. Que tout le monde a bien franchi, ils ont bien assuré la réception, direction à présent la haie du pavillon, avec Espoir de Noël, le favori qui vient à la hauteur de Django Derry. C'est de là, Kazakh, jaune et vert ont le meilleur devant Ilof Bambou, Zinoa ou encore autour de minuit qui se rapproche. À l'extérieur, il y a toujours Jump and Fly. Imper et Pass est à sa hauteur. À la corde se trouve Italiana Ledin devant Pina Cloud Down. Cape of Love est à l'arrière avec également Adexa Desobo, Fou du Brésil, Hermès Sacré et Ozak Salina. Tournant maintenant, on va regarder le favori Espoir de Noël qui n'a pas très bien sauté lors de deux derniers sauts qu'il a eu à faire. Un petit peu mieux là pour le favori de cette course qui est toujours en deuxième position derrière Django Derry. Ilof Bambou, Jump and Fly, Zinoa autour de minuit, tous sont dans le bon wagon. Italiana Ledin et Geoffrey Rey sont 6-7e devant Imper et Pass avec à l'extérieur Adexa Desobo. On retrouve en léger retrait ayant reculé Pinnacle Down avec Cape of Love qui est en 9-10e position au centre. Hermès Sacré ensuite, Ozak Salina et Fou du Brésil en retrait. Direction Le Brook à présent pour Django Derry et Espoir de Noël qui mène toujours dans ce quintet. Ilof Bambou est en 3e position. Grosse faute d'autour de minuit qui recule. Zinoa progresse à la corde. Jump and Fly qui vient à l'extérieur. Italiana Ledin est en retrait. Gros open ditch. Django Derry et Espoir de Noël ensemble. Espoir de Noël qui le découvre. Il s'en est bien tiré, comme tout le monde d'ailleurs. C'est bien. Ils ont tous gardé leur chance après le gros open ditch pour aller maintenant vers le mur. Django Derry donc, Espoir de Noël et Zinoa qui est 3e. Le 7 Fou du Brésil a été arrêté devant le gros open ditch. Le mur, Django Derry est le meilleur. Le favori Espoir de Noël est à sa hauteur devant Jump and Fly. En léger retrait, il y a toujours Ilof Bambou. À la corde, Zinoa qui s'accroche. Italiana Ledin tente de se rapprocher. À l'extérieur se trouve Adexa Desobo. Autour de minuit, Cape of Love viennent dans cet ordre. Direction de la dernière rue de la ligne en face. Rien n'est joué. Peloton très groupé. Même s'il faut être en jaune pour se retrouver aux avant-postes, puisque Django Derry, Espoir de Noël, Jump and Fly sont pour le moment aux trois premières places. Ilof Bambou vient sur leur basque quatrième. Devant autour de minuit, Italiana Ledin, Zinoa, Adexa Desobo. Pour le moment, personne ne revient véritablement de l'arrière-garde. Cape of Love a un peu de ressources. Hermès Sacré également. C'est de la progresse à l'intérieur. Imper et Pass est plus en difficulté comme Pinnacle Down. Ah, pour aborder la dernière ligne droite, on ne voit que du jaune en tête avec Django Derry qui a le meilleur. Avec en deuxième position le favori Espoir de Noël. Jump and Fly progresse lui à l'extérieur pour franchir la double barrière devant Zinoa, Hermès Sacré et Ilof Bambou. Entre les deux dernières difficultés, direction la dernière rue. Avec au centre Jump and Fly qui vient attaquer Django Derry. Espoir de Noël est là avec dans leur dos Zinoa qui s'annonce un peu. Ilof Bambou, Adexa Desobo qui est lancé en dehors. La dernière, ils sont 5 de front. Zinoa au centre, Espoir de Noël à la corde. Jump and Fly en dehors avec Ilof Bambou également tout à l'extérieur. Espoir de Noël, Zinoa, Zinoa, c'est James Révélé en deuxième position. Espoir de Noël qui tente de repartir avec au troisième rang Adexa Desobo qui vient de trouver un couloir en dehors. Zinoa face à Adexa Desobo. Zinoa, Adexa Desobo. Adexa Desobo, le numéro 10. Remporte le quintet devant Zinoa, Espoir de Noël, Hermès Sacré et Ilof Bambou. Eh bien, quelle fin de course de cette Adexa Desobo, le numéro 10 qui remporte ce quintet plus prix Pondiena. Elle faisait sa rentrée sur une distance peut-être un peu courte pour ses aptitudes. Eh bien, écoutez, elle a attendu les tout derniers mètres pour venir prendre le meilleur. Elle s'impose sous la selle d'Olivier Join, l'entraînement et la casaque de Nicolas De Wilder. Deuxième place pour le 13, Zinoa. Devant le 5, Espoir de Noël, favori de ce quintet. Le 15, à savoir Hermès Sacré est quatrième.